Et y a tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. Et si vous ne l'avez pas, eh bien j'espère que cette vidéo pourra vous donner un petit peu tout ça. Alors voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour les énergies d'aujourd'hui. Alors je sais que j'avais dit hier, ouais je ferai la vidéo de la féminine du coup plus tard. Sauf que j'ai fini de bosser, il était 22h. La journée du coup était complètement passée, on est d'accord, 22h, on peut plus faire les énergies du jour. Donc voilà, là dans cette vidéo on aura les deux, hein, comme d'habitude. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors c'est parti, déjà, il y a une carte qui me plaît. Déjà là pour la féminine, on a la carte ici de notre chère, ça va pas se mettre. De la réussite, aux examens notamment. Donc si vous avez encore une fois quelque chose d'administratif, hein, on voit qu'il y a beaucoup de trucs administratifs qui se règlent chez la féminine en ce moment, surtout cette semaine. Donc il y a bien ici des nouvelles solutions qui sont apportées, il y a bien des nouvelles choses qui sont amenées. On parle aussi de repos, justement on a une réussite parce qu'il y a eu un repos qui a eu... qui a été mis en place. Donc reposez-vous bien, hein, ça c'est très très important. Vous ne pouvez pas avoir cette réussite qui vient si vous n'avez pas le repos, ce qui est logique et normal dans n'importe quel système. Hein, on voit bien dans le domaine binical que le sommeil est quand même quelque chose de très important. Alors oui, en ce moment, on n'a pas des énergies qui font qu'on a un sommeil qui est très réparateur. Absolument pas. Absolument pas. Non, personnellement, je me réveille, c'est comme si j'avais absolument pas dormi depuis 2 semaines. Mais reposez-vous, ça ne veut pas spécialement dire au niveau du sommeil. Bien entendu, le sommeil est très important. Mais ça peut être tout simplement s'accorder 10 minutes où on s'assoit dans le canapé et où on fait strictement rien. On ne touche pas au téléphone, on ne regarde pas la télé, on n'a pas son ordinateur, on n'a pas de musique de fond, on n'a vraiment rien. On est juste seul avec nos pensées, on laisse reposer un petit peu notre esprit. Parce que en 2020, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, avec les smartphones, avec Internet et tout machin, avec le câble, tout ça, avec votre bouquet Internet qui vous propose plus de 144 chaînes et même plus, c'est compliqué de pouvoir réfléchir. Mais le fait d'être tout simplement tout seul avec ses pensées, et ça c'est un moment de repos. Ça évite justement au cerveau de devoir penser à 36 000 trucs juste avant de dormir et qui fait qu'on n'arrive pas à dormir ou que vous savez, c'est un petit peu le truc, le dernier truc qu'on pense, c'est un petit peu ça qui va donner le ton à notre sommeil, à notre rêve, à nos rêves puisqu'on en a plusieurs. Donc là, c'est vraiment le fait d'entraîner son cerveau à avoir ce système de pensée, en fait. Il y avait une vidéo qui était très bien de Poisson Fécond, justement, par rapport à une vidéo qu'il a postée durant le confinement, par rapport justement à l'isolation sociale pendant 48 heures, où vous étiez un petit peu dans le noir pendant 48 heures, et qu'est-ce que ça faisait sur le cerveau. Eh bien, le cerveau, il n'a tellement pas l'habitude de ne rien faire. On est tellement, encore une fois, dans cette idée de productivité, on doit vraiment faire des choses parce que sinon on a passé une mauvaise journée et tout. Vraiment sortir de tout ça et ne serait-ce que 10 minutes par jour, 5-10 minutes par jour, ou une minute dans un premier temps, pour arriver jusqu'à ces 5 minutes et autres. C'est pas de la méditation, c'est vraiment, on est seul avec ses pensées et on autorise le cerveau à faire autre chose en fait qu'être sur des écrans et autres. Pour certains, ça peut s'apparenter à de la méditation. Mais là, le but, ce n'est pas de se concentrer sur sa respiration ou quoi que ce soit. C'est vraiment laisser le cerveau vagabonder et faire n'importe quoi. Ça vous évitera de le faire avant de vous endormir. Donc là, on a une réussite qui arrive. On a une demande de repos, donc vraiment de casser ce rythme qu'on a mis. Ça va être très important pour l'automne. Parce qu'ici, on a une maturité qui arrive par rapport à la féminine, que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit d'un point de vue psychologique. On a vraiment tout ce côté maturité d'esprit, expérience. Mais cette expérience-là, elle doit venir justement dans ces moments de repos. C'est-à-dire dans ces moments où on ne fait strictement rien. Pas de ménage, pas de pensée de ménage, pas de ci, de ça, de quoi que ce soit. On est vraiment dans « je laisse venir » et pour laisser venir, on a besoin de ne rien faire. Si on est occupé à faire autre chose, à penser à 36 000 trucs, forcément, ça ne peut pas venir. Donc là, on a une réflexion par rapport
à tout ça, justement, à nos expériences passées et à ce qui s'est passé les derniers mois. Là, c'est vraiment le bilan, hein, comme on l'a vu depuis quelques temps. J'arrive pas à prendre ma carte. Voilà, c'est bon. Donc là, on a bien cette maturité qui arrive, du coup, en hiver. Et comme on l'avait vu, du coup, dans les énergies de la semaine, je crois. La semaine où... Oui, c'est ça, c'est la semaine. On a bien ici une préparation aux énergies d'hiver qui est en train de se passer ici pour notre chère féminine. Vous voyez, carte de l'été, quelque chose qui a été mis en place en été. Et comme on l'a vu, hein, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui se sont passées en été. Je pense que j'ai pas été la seule justement à avoir passé la saison de l'été un petit peu en PLS. Hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil là. Généralement la période de l'éclipse, ce qu'on appelle la période des éclipses, donc c'est tout ce qui va être éclipse lunaire et autres, qui arrive justement dans cette période d'été depuis quelques années. Bon après forcément c'est cyclique, mais généralement on a trois périodes d'éclipse. Là il me semble qu'on a trois périodes de super lune. C'est pour ça que la nouvelle lune là, elle a été très très intense. Chaque nouvelle lune sera une super lune. Ça veut dire qu'en fait la Terre est très proche de la Lune et que la Lune est très proche de la Terre, invariablement. Hein. Quand un objet est proche d'un autre, ça veut dire que l'autre est proche de l'objet en question. C'est normal, c'est la logique même. Donc là, on a une nouvelle Lune qui, au niveau justement de son cycle lunaire, quand elle passe en nouvelle Lune, elle va être une super Lune parce qu'elle passe au plus proche de la Terre. Et c'est ça qui fait que c'est très impactant, vraiment très impactant. Je pense que vous avez pu le voir la semaine dernière. Et que ce sont des énergies très fortes. Donc là, on a commencé l'été avec une période d'éclipse lunaire et là, on termine l'été avec une période de superlune. C'est super, hein ? On est tous ravis, on est tous complètement ravis. C'est comme si ouais, ces demi-saisons-là, elles étaient régies par les lunes et que c'est vraiment la transition entre l'hiver et l'été, et l'été et l'hiver, qui va nous faire travailler le plus en 2020. On adore 2020, on adore 2020. Vous voyez, là, on a la carte de l'accident. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident. Enfin, faites attention quand même, hein, quand vous êtes au volant ou quand vous êtes à vélo ou quoi que ce soit. Faites toujours attention quand même. On ne téléphone pas au volant, on le rappelle. On ne boit pas non plus quand on est au volant, on le rappelle. Petite règle de sécurité routière au passage. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident ou quoi. Ça veut dire que là, il va se passer quelque chose. Alors, je sais que ces deux cartes ensemble, ça fait un peu peur. La carte de l'accident et la carte de la mort. C'est pas matériellement où vous allez avoir un accident ou quelqu'un dans votre entourage va avoir un accident et va y avoir un décès. Pour moi, c'est vraiment ici, il va se passer quelque chose de pas très réjouissant. Que ce soit par exemple une rupture ou que ce soit une rupture de sentimentale ou une rupture au niveau du travail ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se passe que vous n'allez pas spécialement apprécier mais qui va ici amener un renouveau complet et c'est ça donc qui va vous préparer par rapport aux énergies de l'hiver. Vous voyez, on a le soleil qui vient juste derrière. Donc là, on est bien, la mort et le soleil, on est bien ici sur une renaissance, sur une résurrection totale qui va amener ici quelque chose de beaucoup mieux. La carte du soleil, c'est une carte qui vraiment, dans tous les jeux, dans tous les tarots, dans tous les oracles et autres, c'est une carte qui symbolise vraiment le fait que ça rayonne. Et vous voyez, derrière, on a la clé du destin. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre de mettre en place toutes ces choses et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire en sorte que les choses soient beaucoup, beaucoup mieux. Comparé à ce qui est actuellement. Là, on a vraiment des énergies qui sont très positives pour la féminine ces derniers temps là. Bah, depuis la nouvelle lune, hein. Vraiment. Même quand je regardais du coup les vidéos de mes collègues Lise Avenir, par exemple, encore une fois, elle disait vraiment qu'il y avait à partir du 15-17, il y avait vraiment un renouveau complet. Il y avait vraiment un avant et un après. Bah, là, c'est exactement ça. On sort de cet emprisonnement et on part à la découverte. Ça, c'est deux cartes qu'on avait déjà eues, du coup, dans les énergies de la semaine. On a vraiment cette notion de « je pars à l'aventure, en fait ». Je pars à l'aventure, je prends mes briques et mes brocs, je mets tout dans un sac et puis hop, je pars avec mon baluchon et puis tada ! Par contre, en amour, il y a quand même un petit peu d'attente et de stagnation qui sont présents. Donc faites attention à ça.
Faites attention à ça, parce que même si le masculin il avance, ça veut pas dire pour la... ça veut pas dire pour autant qu'il va y avoir des retrouvailles. Je rappelle que la vie commune, ce sont des retrouvailles. La réunion, ce ne sont pas des... Ce n'est pas la vie commune, pardon. La réunion, ce n'est pas la vie commune. La réunion, c'est autre chose. C'est un stade vraiment complètement au-dessus où on n'en a rien à faire d'être en vie commune, justement, ou autre. Là, on parle de vie commune. Enfin, si on parle de vie commune, pardon, je vais arriver à parler un jour. Si on parle de vie commune, du coup, on parle de retrouvailles. Donc là, si vous attendez des retrouvailles avec votre masculin, on vous dit attention, parce que si vous êtes dans l'attente, du coup, ça ne va pas pouvoir arriver. Hein, on est bien dans ce côté... si on est trop centré sur quelque chose, si on est trop dans l'attente de quelque chose, forcément, ça va bloquer. Donc, le but, c'est pas de bloquer. Hein. Le but, c'est de faire en sorte que ça se passe. Donc, pour ça, on est dans le lâcher-prise. C'est vraiment avoir la conviction suprême et intense que, au fond de vous, que ça va se passer. Peu importe quand, vous savez que ça va se passer. Et c'est cette idée-là, ça va se passer. Et c'est tout, en fait. Et c'est à partir de là où on lâche prise. Et vous voyez, à partir du moment où vous allez lâcher prise, il y a la carte ici de la rapidité qui arrive, qui ressemble à un citron d'ailleurs. Moi, je trouve que ça ressemble à un citron, mais bon. Alors. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Hop, on va voir maintenant comment ça se passe d'un point de vue sentimental. Alors, d'un point de vue sentimental, pareil, on a le repos. C'est le repos qui amène du coup la protection. Pourquoi ? Parce que la féminine, du coup, quand elle est en repos, donc quand elle arrête de réfléchir et tout, hein, on rappelle que c'est le repos au niveau de la tête, au niveau des pensées. Bah, quand elle arrête de réfléchir par rapport à son masculin, quand elle arrête de penser à lui, quand elle attend littéralement le lâcher prise, on a ici la protection qui arrive. Le fait de sans arrêt penser à son autre, et je sais que c'est compliqué hein, de ne pas penser à son autre, surtout quand c'est quelque chose qui fait partie de nous, du coup c'est un peu blabla. Le but, c'est pas de s'interdire de penser à lui, le but, c'est d'accepter dans un premier temps qu'on pense à lui. Et à partir du moment où vous acceptez qu'il fait partie de votre vie, qu'il est là sans être là, qu'il est là dans l'astral mais qu'il n'est pas là dans la matière, c'est vraiment l'acceptation en fait qui entraîne le lâcher prise. Et ça, vous pouvez le voir, c'est ça pour tout. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire dans absolument tous les livres de psychologie. C'est l'acceptation qui entraîne le détachement. Que ce soit par rapport à un deuil, ça peut être un deuil d'une personne, ou ça peut être, encore une fois, par rapport à une rupture, ou par rapport à un travail, ou par rapport à une situation. Le deuil, ça englobe énormément de choses. La première étape, enfin, la dernière étape, c'est l'acceptation une fois que tout ce qui est colère, rancœur, etc., déni, négociation et autres est passé. Vous pouvez le voir, hein, quelles sont les étapes du deuil, vous tapez ça sur Google, vous allez voir, la dernière, c'est acceptation. Et c'est l'acceptation qui permet du coup de faire le deuil. Une fois que l'acceptation est faite, le deuil est fait. Et là, du coup, on se sent mieux, on se sent littéralement libéré. Et là, c'est exactement ce qui se passe par rapport au masculin. On vous dit ici qu'il y a un horizon nouveau, mais juste que on n'a pas encore la perception pour ça, parce qu'on n'a pas encore cette phase de repos qui est enclenchée. Donc ça fait qu'on a un petit peu de mal en fait par rapport à tout ça. On n'a pas assez de hauteur en fait. Et donc c'est ça qui nous empêche de voir ce nouvel horizon en fait, cette nouvelle manière de voir la relation, cette nouvelle manière de faire, parce qu'on est trop centré sur telle qu'elle est actuellement plutôt que ce qu'elle pourra être. Possiblement. Et ça, du coup, ça va... En fait, on va passer tout le mois d'automne, enfin tout le mois, toute la période d'automne à libérer tout ça, à être dans l'acceptation par rapport à tout ça. Et c'est ça, du coup, qui va permettre cette avancée vers la relation. C'est ça qui va pouvoir permettre une sorte de déplacement vers la relation et du masculin vers nous. Parce que si le masculin a choisi de ne pas vous voir, hein, comme on le sait, c'est le masculin qui est porteur de la réunion. Donc si c'est pas lui qui a décidé de venir vous voir, littéralement, vous pouvez être sûr que ça va être mort. C'est compliqué, hein, les flammes jumelles, les liens jumellaires, les couples sacrés. C'est tellement pas un couple classique. C'est tellement pas
bah, tout ce qui est normal dans une relation normale, c'est, on est tellement à des kilomètres de ça. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et vous voyez, j'ai la réussite qui arrive quand même. Donc là, ce n'est pas une question d'espoir ou de s'accrocher à ça ou quoi que ce soit. C'est, encore une fois, c'est l'intime conviction au plus profond de vous que ça va se passer. Peu importe quand et comment, ça va se passer. Et vous voyez, j'ai encore le soleil qui arrive et j'ai même la carte du foyer. Donc moi, il n'y a pas de souci à se faire. Oui, ça prend du temps, mais chaque chose prend du temps. Mais vous voyez, là, le voyage, ce qui va être déménagement, c'est en train de se mettre en place. Alors, je ne dis pas que vous allez déménager chez lui, mais pour moi, déménagement, ce n'est pas déménagement de votre foyer à un autre endroit pour recréer un autre foyer. C'est vraiment cette notion de changement complet, en fait. C'est la métaphore de déménager, mais va y avoir un déménagement dans votre vie. Encore une fois, vous n'allez pas changer de foyer, mais il va y avoir un changement radical, en fait. Moi, je le ressens beaucoup plus comme ça, cette carte. Et vous voyez, là, on a la carte blanche. La carte blanche, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Vous savez, c'est comme dans l'oracle d'Aliaske avec la carte dorée. C'est-à-dire que là, en plus, c'est la carte qui est derrière, c'est la carte des cadeaux et récompenses. C'est vraiment la carte la plus positive parce que c'est celle qui ouvre sur tous les possibles, en fait. Tous les possibles positifs, parce qu'elle est blanche. Sinon, elle serait noire. Ou grise. Le repos encore. Très important, le repos. Notamment par rapport à vos idées mélancoliques. Mais ouais, il y a bien cette maturité qui arrive ici pour la féminine. En plus, c'est la carte numéro 33. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à côté. Je vois que ma carte SD ne va pas supporter la vidéo. J'ai pas assez de place. Alors, on était avec l'oracle de la lumière de Patrick Jo. Maintenant, on est avec l'oracle de la lune de Stacy DeMarco. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, voyez, là, deuxième gibbeuse croissante. On a la carte du plaisir ici. En plus, c'est le chiffre 18. Chiffre 18, chez moi, c'est un porte-bonheur. Donc, voyez, c'est... Non seulement on a le plaisir, mais en plus, on a... On a mon chiffre porte-bonheur. Donc tout va bien. C'est que ça va bien se passer, les gars. Vous pouvez avoir confiance. Alors. D'un point de vue, du coup, sentimental, comment ça se passe avec le masculin. Ouais, vous voyez, on a la paix parce qu'on arrête la résistance. La résistance, c'est le fait de penser à ça. Le fait de penser, mine de rien, c'est une idée de contrôle, en fait. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser, il faut lâcher ce contrôle-là. Et c'est pour ça qu'en lâchant ce contrôle, donc en arrêtant de penser, on arrive à quelque chose. Parce que plus on pense à ça, et moins les guides ont le champ libre pour pouvoir faire en sorte que ça se passe. Dites-vous ça. C'est comme si vous êtes à fond sur votre ordinateur, vous avez un problème, un bug de logiciel, et vous êtes en train, coûte que coûte, d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne, alors que vous avez un professionnel à côté qui est là et qui vous dit « je peux le faire », mais vous, vous êtes en train de vous dire « non, je peux trouver la solution tout seul, t'inquiète, je peux trouver la solution tout seul ». Non, tu peux pas. Je suis désolée de vous le dire de manière aussi cash. Non, tu peux pas. Laisse le professionnel faire et tu vas voir que ton ordinateur, il va te le régler en 2 secondes. Là, c'est clairement ça. C'est s'il te plaît, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose, mais vu que tu es centré dessus et que tu penses trop à ça, on ne peut pas faire les choses. Donc, s'il te plaît, laisse-nous faire. Aie confiance en nous dans le fait que ça va bien se passer. Le problème, c'est que la féminine, elle a quand même un manque de confiance par rapport à ses guides parce que c'est passé quand même, on ne va pas se cacher, beaucoup de choses, du coup, pendant l'été. Tout se suit. Beaucoup de choses pendant l'été qui ont fait qu'elle manque de confiance par rapport à ses guides. Notamment le fait que ça se passe bien avec son masculin.
excusez-moi les gars, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et là, vos guides, ils vous répondent, bah oui, mais pour atteindre le mieux, tu dois d'abord passer par quelque chose de pas cool. Parce que lui, il doit avoir des réflexions, il doit avoir des déclics. Donc oui, effectivement, même si vous avez une dispute, bah, cette dispute-là, lui, va entraîner un déclic qui va faire en sorte qu'il va évoluer, qu'il va changer, qu'il va un petit peu transmuter tout ça, vous voyez. Donc, malheureusement, il y a certaines fois, on est obligé de passer par quelque chose qui n'est pas cool pour arranger les choses, quoi, tout simplement. Vous voyez, là, c'est le principe d'action. S'il n'y a pas d'action, bah, il ne peut rien se passer. Il n'y a pas de changement qui peut s'acter. Le changement, il ne va pas venir comme ça. Le changement chez le masculin et chez la féminine, hein, chez tout le monde, chez n'importe quel être humain, vient par quelque chose qui amène un changement, qui amène un changement des perceptions, en fait. C'est ça qui met la croissance et c'est ça qui enlève les limites. Et on va voir très rapidement avec l'oracle de la lunologie de Yasmine Bolland. Ok. Bah déjà, la carte qui tombe, c'est une carte des Gémeaux. La lunologie, c'est un oracle qui se base sur les signes astrologiques et du coup sur les lunes. On parle ici des Gémeaux. Gémeaux, jumeaux. Voilà. On a ici le fait que la communication est la clé. Et en plus, on est en nouvelle lune. Donc là, c'est vraiment une nouvelle lune qui nous demande d'être dans la communication, de ne pas se restreindre, en fait, littéralement. On vous dit vraiment qu'un problème personnel va se résoudre avec une communication. Alors, ça peut être avec votre masculin. Moi, je vois pas vraiment que c'est avec le masculin. Pour certains, il y a des communications. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus léger. C'est comme si énergétiquement il n'y avait pas tant de communication que ça, parce que les communications qu'on va avoir avec votre, enfin que vous allez avoir avec votre autre, enfin que on, parce que je suis féminine aussi, donc on va dire on, c'est vraiment très léger. Vous voyez, on va pas rentrer au cœur du sujet ou quoi que ce soit, on va pas avoir une énorme discussion ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très léger, des trucs un petit peu frivoles, parler de la vie, de la météo, de ce genre de choses, mais pas des choses vraiment importantes. Mais pour moi, c'est vraiment ailleurs. C'est plus d'un point de vue général. S'il y a une discussion, c'est comme s'il vous manquait des informations et qu'on vous demandait en gros de vous renseigner par rapport à ça. C'est un petit peu comme ça que ça me ressort. Vous avez actuellement un problème, qu'il soit juridique, social ou matériel ou autre, mais il vous manque des informations pour résoudre ce problème. Vous voyez, c'est comme si on reprend le truc de l'ordinateur, vous allez chercher un petit peu comment faire pour résoudre ça, et vous pouvez le résoudre tout seul. C'est vraiment un truc tout bête, mais un truc tout bête dont on n'a pas conscience. C'est tout con, hein, mais c'est un petit peu comme dans la vie tous les jours. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Vous voyez, si on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. C'est la logique même. Et donc, on ne peut pas arranger les choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question bête, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Les gens me disent, je vais vous poser une question bête. Non, il n'y a pas de question bête. On ne peut pas avoir la science infuse sur tout. Là, on a le fait que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, ça, on l'a vu avec la nouvelle lune. Mais c'est ça qui amène un temps de guérison. C'est ça qui fait que votre problème va se résoudre, parce que les conclusions sont à portée de main. Bon, c'est quand même plutôt pas mal pour la féminine. Moi, je trouve ça plutôt cool. En d'autres decks, on a quoi? Abandonnez-vous au divin. Voilà. Abandonnez-vous au divin, la carte de la vitalité, attention à ne pas vouloir trop de choses trop vite, et la carte de la vieillesse qui parle de maturité. Bon, et bien c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça plutôt sympa. Bou, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie et transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup
de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, maintenant, hop, on va essayer de repositionner un petit peu ce truc. Maintenant, voyons voir comment ça se passe du coup pour le masculin. Je sens des énergies déjà un petit peu plus tendues, c'est pour ça que je fais un petit peu la grimace. Voyons voir. Pareil, on a un changement radical chez le masculin, on a la justice. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, on a une idée d'emprisonnement ici. On a une idée d'emprisonnement, emprisonné dans. Alors, ça paraît un petit peu paradoxal, mais emprisonné dans tout ce qui est beauté et luxe. Pour moi, là, on a un masculin qui est emprisonné dans un petit peu tout ce qui va être un peu trop superficiel, en fait. Un peu trop superficiel, on parle notamment de certains masculins qui sont avec d'autres personnes, avec des triangulaires. Je ne veux pas dire énergie tierce parce qu'énergie tierce, ça englobe vraiment beaucoup plus d'énergie que juste la personne qui sort avec votre autre. Pour moi, c'est, voilà. Si vous êtes dans une relation triangulaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet emprisonnement dans le superficiel, en fait. Quelque chose qui lui va. Alors, je ne dis pas, hein, il y a des masculins qui peuvent être très amoureux de leur autre et en même temps aimer aussi une autre personne avec qui ils sont mariés ou en couple ou quoi que ce soit. Hein. Je ne dis pas que toutes les triangulaires sont frivoles, on va dire. Parce que là, c'est vraiment le mot frivolité qui me vient. C'est vraiment la superficialité. Je suis avec cette personne parce que c'est mieux comme ça ou que c'est plus pratique ou que quoi que ce soit. On a ici la notion de voyage. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, on est vraiment dans un masculin qui est emprisonné dans tout ce qui va être superficialité. Être avec des amis simplement parce qu'il faut être avec des gens, parce qu'on montre qu'on est bien entouré, parce qu'on montre que on fait rire les gens, qu'on est un bout en train, qu'on est super apprécié. Donc on peut aller à plein de soirées, on peut faire plein de choses différentes avec des personnes différentes. Vous voyez ce genre de choses. Donc on est vraiment dans l'aspect, ouais, dans l'aspect frivole. Je sens un amusement, mais un amusement qui est presque forcé. Je me force à faire ça pour penser à autre chose, pour vraiment m'amuser et surtout pour montrer quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'idée de montrer quelque chose. Montrer aux gens que bah, si, tu vois, tout va bien, tout va super bien. Tu dis que je vais pas bien, mais en fait, tout va super bien pour moi. Je vois pas de quoi tu parles. Je gère super bien ma vie, tu vois, et puis les gens aiment bien être avec moi, etc., etc. Oui, mais ça, c'est que la façade. Vraiment, là, on est sur de la façade dans les énergies du masculin aujourd'hui. On essaie de sourire alors que, on a envie de hurler, on a envie de crier, certains ont envie de pleurer. Et c'est pour ça, là, on leur dit, mais dégage, vraiment, sors de ce foyer là où tu es, de ces énergies là où tu es, de cette ville où tu es, possiblement. Sors, et c'est ça du coup qui t'amènera cette réussite. Là, la justice qui est là pour le masculin, elle ne vient uniquement que si on part. Là, on a voyage à l'étranger, donc c'est pas un petit voyage, c'est vraiment. C'est pas spécialement le fait de faire beaucoup de kilomètres ou de changer de pays. Je pense notamment à ceux qui habitent à la frontière.
C'est pas spécialement ça, c'est vraiment d'un point de vue symbolique, c'est changer d'état d'esprit, changer de là où tu es maintenant, parce que là où tu es maintenant, ça va pas. C'est un petit peu comme la féminine, c'est-à-dire que là, c'est cette idée de déménagement qu'on avait vers la féminine, bah, c'est totalement ça. C'est là, il faut que tu changes complètement d'énergie, mais il faut que tu changes toi-même tes propres énergies, en fait. On a quand même la carte de la chance, la carte des nouvelles, la carte des invitations, la carte de la guérison. On a quand même quelque chose qui se passe ici d'un point de vue du masculin qui va quand même vers du mieux. Derrière, on a le cadeau à la récompense qui arrive du coup en hiver. Là, jusqu'en ce moment, bah, il n'est pas spécialement très bien. Hein, on voit que la carte, elle n'est pas très. Elle donne pas trop envie. Mais derrière ça, on a quand même la carte blanche qui est, encore une fois, on le rappelle, la carte la plus positive du jeu parce qu'elle permet tous les possibles et tous les possibles positifs. Donc là, on a quand même des énergies qui sont assez mastoc chez le masculin. On a des choses qui sont pas cool aujourd'hui. Aujourd'hui, débordement sur demain, etc. Mais vous voyez, j'ai encore la carte du cadeau et de la récompense. Donc oui, on passe par quelque chose de pas cool, mais c'est ce truc pas cool qui va justement l'encourager à partir de là où il est, que ce soit d'un point de vue matériel, donc on a ce mouvement, ce déplacement, ce déménagement, ou que ce soit d'un point de vue énergétique où il va du coup prendre du recul par rapport à tout ça et pouvoir être mieux par rapport à tout ça. Moi, je sens vraiment une nouvelle dynamique en fait chez le masculin parce qu'il sort la tête de l'eau, il prend du recul sur les choses et c'est ça qui l'amène du coup à de nouvelles choses. Vous voyez ici la carte du printemps, c'est pas la saison du printemps, c'est vraiment les nouvelles choses. Et hop, on a la pyramide qui amène l'ascension, qui rejoint du coup la carte de la justice qui va permettre de remettre les choses à l'endroit. Tout est magique, tout se suit. Donc là, on a un petit ras-le-bol du masculin parce que bah, il y a quelque chose qui vient lui tomber dessus aujourd'hui ou dans la semaine ou autre. Mais on a quelque chose de pas très cool qui vient lui tomber dessus et qui vient vraiment lui dire hey, tu es dans ta frivolité, tu es dans ton aspect superficiel, tu penses que les choses se passent uniquement en apparence? Bah non. Bah non. C'est pas parce que tu es avec plein de monde que tu es plus ou moins entouré. C'est pas parce que tu fais en sorte que ta vie soit belle que à l'intérieur les choses se passent tout aussi bien. Non, non. Là, tu fais semblant et nous, on va te montrer que faire semblant, bah, c'est pas ce qu'il te faut en fait. C'est pas ça qui va faire que ça va arranger les choses ou qui va faire que les choses vont s'améliorer. Voilà. Si tu veux que ta vie soit belle, il faut que d'abord que ce soit beau à l'intérieur. Et là, on pourra parler. Là, on pourra faire des choses. Là, on pourra avancer. Là, il y a vraiment un coup de pied au derrière au niveau des guides, là, chez le masculin, qui va pas faire très plaisir. J'ai l'impression qu'on va lui retirer quelque chose. C'est comme si, vous voyez, il avait travaillé sur quelque chose pendant des mois et des mois, voire même des années, et que tout d'un coup, pam, ça lui était complètement retiré. Et là, il y a une frustration énorme, il y a un ras-le-bol complet qui va venir chez le masculin. Mais, vous voyez, c'est ça qui amène le changement, le déménagement du coup, donc encore une fois, c'est pas juste déménager, c'est vraiment d'un point de vue énergétique, on bouge complètement les énergies, on les change totalement. Et c'est ça qui amène du coup vers le soleil. J'ai encore le cadeau et les récompenses qui tombent. Voyez, on a l'idée d'une naissance parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Mauvaise base de départ, c'est littéralement le fait que bah, masculin, il avait mal commencé son truc, il avait mal arrangé les choses, on va dire, et du coup, bah, ça pouvait clairement, mais alors, clairement pas le faire. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Pour certains, on parle de naissance. Mais de naissance, naissance, pas d'un point de vue, pas d'un point de vue psychologique ou ésotérique ou quoi que ce soit, symbolique, pardon, je cherchais le mot. Pour certains, je vois certains masculins qui vont être papa ou maman, alors je sais pas si c'est avec un féminin ou quoi, ou alors il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place, professionnel ou autre, mais on parle vraiment d'une naissance dans la matière, hein. D'un point de vue très concret. Mais encore une fois, cette partie ne va pas parler à tout le monde.
Là, c'est vraiment des petits cas, on va dire. Des petits cas dans la masse. Mais il est possible que ce soit, du coup, pour ceux qui sont dans cette situation-là, cette naissance qui amène justement, bah ouais, je me suis pas concentrée sur les bonnes choses, maintenant j'ai un enfant, ou peut-être que j'ai un autre enfant parce qu'il en avait déjà, enfin il ou elle. Mais on a vraiment ici cette idée de choses qui se passent et qui amène le déclic, l'enfant qui amène le déclic, la naissance qui amène le déclic. Ouais. Ici, on a une carte de rencontre. Le masculin pense à vous rencontrer, le masculin pense à revenir vers sa féminine. Ça, on va voir du coup plus en avant dans les énergies sentimentales. Ici, on a une chance, encore une fois, la carte de la chance, avec toujours la carte du voyage. On a aussi toc, la carte du travail, donc il y a quelque chose qui change. Hein. On a une immaturité qui est vraiment en train de s'en aller ici chez le masculin. Vous savez, on disait qu'il était quelqu'un d'immature émotionnellement parlant, mais ici, ça évolue. Là, j'ai un masculin qui va se prendre hein, de trucs dans la tête. Rien comprendre. On va se prendre le Titanic sur le coin du nez. Ça va faire bizarre. Ça va faire très bizarre. Alors. Tac, tac, tac. Ouais, vous voyez, on a le soleil en hiver. Donc là, dans la période de l'hiver, les choses vont se passer mieux pour le masculin. Après, ça peut changer, hein. Ça va dépendre de comment il ou elle va travailler pendant la période d'automne. Mais là, en tout cas, on a un hiver qui est beaucoup plus sympa que l'année dernière, où l'année dernière, il devait vraiment bosser, où il y avait vraiment des choses qui allaient se mettre en place, où littéralement, la période d'hiver, pour les masculins, ça a été l'une des pires périodes qui s'est traversée depuis longtemps. Parce que c'est là où il y a dû y avoir beaucoup de travail qui a dû se faire pour eux. Ça a été le commencement vraiment, pas de l'éveil, mais de quelque chose de plus grand en fait pour eux. Et ouais, c'est ça qui amène du coup les nouveaux horizons. Mais là, cette année, là, l'hiver 2020, je sens que c'est beaucoup plus calme. Intense aussi, mais beaucoup plus calme. Beaucoup moins contraignant. Encore une fois, on verra quand on y sera. Hein, parce que je répète que les énergies d'avenir, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Parce que les énergies changent tellement que on peut pas vraiment tout prédire, quoi. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je fais principalement les énergies présentes. Les énergies de la journée, les énergies de la semaine. Ça, c'est des énergies présentes. Mais les énergies d'avenir, à venir, il faut vraiment les prendre avec les pincettes parce que tout peut changer. Mais j'ai toujours cette carte d'hiver qui ressort. En hiver, la féminine aura la clé du destin. C'est beau comme phrase, je trouve. En hiver, la féminine aura la clé du destin. Alors, voyons voir. Ouais. Le masculin est en train de balayer le passé. Et on termine sur balayer le passé, notamment balayer l'ennemi par rapport au superficiel. Vous voyez, là, on a la carte de... merde, elle est où ? On a la carte ici de l'ennemi et on a la carte ici du superficiel, de la beauté, du luxe. Donc, l'ennemi, eh bien, le fait de s'accorder sur les mauvaises choses, sur les trucs qui n'en valent pas spécialement la peine. Ok. Maintenant, voyons voir du coup avec notre cher oracle de lune d'un point de vue sentimental. On a le discernement.
discernement d'un point de vue sentimental. Donc on a un masculin qui, s'il se rend compte que la superficialité, c'est pas spécialement une bonne chose, notamment pour ceux qui sont en relation triangulaire, et qui sont en relation triangulaire, mais sans amour envers leur, cette personne triangulaire. Là, je parle pas de ceux qui sont amoureux de leur femme, qui n'est pas la féminine ou autre. Là, je parle de ceux qui sont avec une personne autre, pour essayer d'oublier la féminine. Vraiment, il y a un aspect très superficiel dans cette relation triangulaire. Là, on a vraiment le discernement. Pour ceux qui ne sont pas en relation triangulaire, on a quelque chose qui est en train de se passer. Toujours par rapport à cette frivolité, toujours par rapport à ces apparences-là. Masculin a vraiment une idée un petit peu plus claire par rapport aux choses, où il se rend compte que, pareil, il a essayé d'oublier la féminine, il a essayé de faire en sorte que les choses soient vraiment mises en soum-soum. Non, j'ai pas besoin d'elle pour vivre. Non, j'ai pas besoin d'elle dans ma vie. Non, j'ai pas besoin d'elle pour être heureux. Et ben là, pam, ça va venir en plein dans la figure. Vraiment, c'est le Titanic qui lui tombe sur le coin du nez. C'est un paquebot entier qui lui tombe sur le visage. C'est pas quelque chose qu'on peut... Vous voyez, vous avez imaginé, vraiment, vous avez le Titanic qui vous tombe sur le coin du nez. C'est pas quelque chose que vous pouvez dire « c'est bizarre, je sens quelque chose, mais je ne le vois pas ». Non, tu peux pas. Tu peux juste pas. C'est pas possible. T'es obligé de le voir. Là, on a vraiment le discernement qui sort. Discernement qui amène la paix, qui amène l'inattendu, qui amène la protection. La protection qui est là grâce à la confiance. La confiance qui va amener une action, qui va amener la libération parce qu'il y a eu une introspection et en loi d'attraction, du coup, parce qu'on a un petit peu plus de sagesse, parce qu'on remet les choses dans le bon sens et qu'on nourrit vraiment cette loi d'attraction avec des choses positives plus que des choses négatives, on a la récolte. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Soyons voir, du coup, reprenons un petit peu notre petit oracle de lumière. Soyons voir pour notre petit oracle de lumière. On a la carte de l'amour. La carte de l'amour. Actuellement, je ne vais pas vous cacher, c'est un amour qui le ronge un petit peu. Parce qu'il ne sait pas quoi en faire, en fait. Ça paraît stupide dit comme ça. Je t'aime, mais je ne sais pas quoi faire de cette information. Excuse-moi, je ne suis pas habituée. Et vous voyez, la femme est le soleil. La femme est le soleil. La féminine, puisque la femme, la féminine, peu importe votre sexe, hein, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, la féminine est le soleil. Mais il ne sait pas quoi en faire. Il est perdu. Excusez-moi, j'ai un cœur qui bat. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça se mange? C'est vraiment ça. Hein. Je tourne un petit peu en dérision, mais c'est vraiment ça. Hein. Là, on est dans un masculin qui est dans le déni complet. La féminine pense qu'elle a besoin de son masculin pour être heureux, absolument pas. Par contre, le masculin, lui, c'est le contraire, il refoule le fait d'avoir besoin de sa féminine pour être heureux. C'est l'inverse, en fait, c'est complètement l'inverse. La féminine pense que le masculin est nécessaire à son bonheur, ce n'est pas le cas. Le masculin pense qu'il n'a pas besoin de la féminine pour son bonheur, ce n'est pas le cas. Même si en soi, on n'a pas besoin de quelqu'un pour être heureux, hein. Voilà. On a la carte aussi, d'un point de vue, du coup, toujours sentimental par rapport au masculin, j'allais dire le négociant, parce que il négocie tellement que on peut l'appeler négociant. On a la carte ici, blanche, qui amène, du coup, plein de choses positives. Et ensuite, on a la carte de la rencontre. Donc, on a vraiment un masculin qui pense à retourner vers sa féminine, si ce n'est pas déjà fait, qui pense à avoir des retrouvailles. Et qui voit les choses vraiment dans un nouvel angle. Ça, c'est pendant la période de l'automne. Ça va parler pour tout le monde, encore une fois, et vu que c'est des énergies d'avenir,
prends ça avec des petites pincettes. Mais il y a une idée de découverte. Il y a une idée de découverte, de redécouvrir la relation quelque part. On est complètement ici sur l'idée de je vais faire en sorte que les choses changent. On a un changement de point de vue, en fait. Ce déménagement ici dont on parlait tout à l'heure, de changement de pensée radical, on est sur un masculin qui a envie d'essayer différemment. Bon, bah, pendant tant de temps, tant de mois, tant de semaines, voire tant d'années, suivant là où vous en êtes, depuis quand vous le connaissez, j'ai fait comme ça. Ça n'a pas marché. Essayons de faire comme ça. On va voir. On ne sait jamais. Vous savez, c'est un petit peu comme dans tous ces livres de... Je ne sais plus c'est quoi la collection, je crois que c'est Harlequin, un truc du genre. Vous savez, tous ces livres de romance, par exemple, romance historique et tout machin. On a le mec qui se dit « Ouais, non mais je suis super attirée, j'ai beaucoup de désir pour cette femme et je sais que non, ce n'est pas possible parce que moi je n'aime personne, je suis un grand guerrier. » Un grand chevalier, viking, normand, tout ça, hein, remplacé par le mot qui vous convient. Mais je sais qu'une fois que mon désir sera assouvi envers cette femme, je vais totalement l'oublier. Et puis finalement, pas du tout. Bah là, c'est un petit peu ce qui se passe pour le masculin. Hein. C'est un petit peu... je vais essayer de voir ce que ça fait quand je réponds à mon désir, quand je réponds à ce que j'ai envie de faire. Et puis, de toute façon, ça va pas durer. Oui, mon gars. Si ça n'a pas duré avec semaine, mois, année à essayer de faire en sorte de l'oublier et puis que ça ne marche pas, ça ne marchera pas de l'autre manière non plus, quoi. Mais bon, ils sont drôles à essayer de divers moyens d'oublier un petit peu, de faire en sorte que ça ne se passe pas, d'être dans le déni. Ils essaient de différentes manières d'être dans le déni et on peut saluer leur inventivité, on va dire. Mais ça ne marchera toujours pas. Spoiler, ça ne marchera toujours pas. Vous voyez, là, on s'emprisonne des nouvelles, on se cache ici des nouvelles. Mais pareil, toujours le changement radical. Qui est amené, du coup, par cette pensée positive. Maintenant, il y a... Et toujours en hiver. Alors, la carte de l'hiver, c'est la carte qui sort le plus, je crois. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Mais ça, ouais, ça va mettre du temps, hein, parce que de septembre à hiver, il y a quand même la saison de l'automne entre les deux, quoi. Là, vous voyez, hop, encore une fois, la récolte. La récolte, le changement et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est bien. Le masculin qui apprend à s'aimer, ça c'est bien, c'est très 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 bien. Alors, voyons voir en dernier lieu avec la lunologie. Pareil, ben voilà, la même carte que la féminine, hein. La carte des gémeaux, gémeaux-jumeaux, on a la communication et la clé, et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Elles sont très belles ces cartes. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et ben oui, et ça c'est le masculin, il s'en rend compte, hein, que maintenant... Alors, je dis pas qu'il va se rendre compte de tous les efforts qu'a fait la féminine, parce que pour certains masculins, le fait que la féminine ait fait des efforts, ce ne sont pas des efforts, c'est un dû. C'est-à-dire que c'est la chose la plus normale du monde. Donc, si certaines féminines, pas toutes, hein, parce que tous les masculins ne sont pas comme ça, mais si certaines féminines s'attendent à ce que le masculin se rend compte des efforts qu'elle a fait et de tout ce qu'elle a fait pour la relation et tout, non. Je suis désolée de vous le dire de manière aussi cash, mais non, parce que pour lui, c'est un dû. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il reconnaisse vos efforts, tout ce que vous avez fait pour la relation, pour la maintenir à flot et tout machin. Même si vous avez déménagé, changé de pays à l'autre bout du monde, que vous étiez en France, que vous êtes parti au Québec et tout machin. Pour lui, c'est un dû. Mais...
Il y a quelque chose, il y a un autre déclic qui vient. Pas spécialement par rapport aux efforts ou quoi que ce soit, mais il y a un autre déclic qui vient. Mais là, lui, il est dans une position où il n'attend rien de cette situation. Pas dans le sens péjoratif, hein. Attention. C'est pas en mode de toute façon, il va rien se passer ou quoi que ce soit. C'est il se laisse surprendre, en fait. Vraiment, on avait la carte de l'inattendu tout à l'heure, et ben, c'est exactement ça. Il se laisse surprendre par l'inattendu. Il n'attend pas que ça se passe. Il n'attend pas que ça ne se passe pas. Mais il laisse venir. Littéralement, il laisse venir. Et c'est ça qui fait que maintenant il ne se laisse plus retenir par le passé, parce que quand on est en train de s'attendre à quelque chose, on attend la chose positive, mais on attend aussi la chose négative. La chose négative est due aux blessures, donc est due au passé. Le fait de ne rien attendre, d'être vraiment dans l'inattendu, de se laisser surprendre par l'inattendu, bah, littéralement, il a raison. Il a raison parce que c'est comme ça qu'on lâche prise, c'est comme ça que on ne s'occupe pas de ce qui va arriver et de ce qui ne va pas arriver, et invariablement, on ne se bloque pas dans des idées négatives. Donc, il a tout compris. On dit juste d'insuffler un petit peu plus d'amour dans cette situation, même s'il y a rien à attendre, encore une fois, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens lâcher prise. Faut quand même insuffler un petit peu d'amour, hein, dans la relation. Enfin, dans la relation, dans le lien, dans la situation, etc., etc. Mais pareil, un problème va se résoudre et attendez-vous un changement considérable. Il y a un changement considérable qui est en train d'arriver pour le masculin. Ça, c'est clair et net, on l'a vu dans toute la guidance. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment, du coup, avec moi. Et puis voilà, moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Encore une fois, si vous voulez, du coup, prendre rendez-vous, bah, voilà, vous avez la petite vidéo en milieu de vidéo et vous avez le lien directement dans la barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous d'Esquimaux. Faites attention à vous, n'oubliez pas que c'est le plus important. Et puis, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!